Bonjour tous les cafardinos, je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite surtout de passer une agréable vidéo avec nous. Ça va être le récapitulatif de la deuxième journée de la DreamHack Malmö avec pas trop de surprises, hein, étant donné que j'ai réussi à pronostiquer 5 matchs sur les 6 qui ont eu lieu. Mais bon, il y a eu une énorme surprise quand même, on va pas se mentir. Donc tous ceux qui veulent des pronos, n'hésitez surtout pas à venir me follow sur Instagram et Twitter, c'est là que je balance. Et puis il y en a qui me les DM, qui me les demandent en DM et je réponds gentiment à tout le monde ce que je pense, voilà, pour ceux qui parient sur les matchs. Bien évidemment, l'objectif principal, c'est les 80 000 abonnés et j'espère que tout le monde qui ne l'est pas encore va s'abonner. Encore un dernier petit détail, je tiens à remercier la totalité des personnes qui regardent les vidéos ces derniers jours et qui me remercient dans les commentaires pour le contenu, etc. Je réponds à un maximum d'entre vous, mais pas à tous, mais sachez que je vois vos commentaires, vraiment ça me fait ultra plaisir. Bien évidemment, j'ai augmenté la cadence de sortie de mes vidéos et tout. Merci au monteur vidéo qui fait un énorme travail et vraiment pour 0€. Donc n'oubliez pas la page Utip dans la description, cet argent lui sera totalement transféré. Voilà, il faut le savoir. Allez, maintenant on passe aux choses sérieuses et c'est le premier match et c'est la surprise de la journée. La seule et unique surprise de la journée, je pense, à mon sens, c'est Evil Genius qui se fait éliminer du tournoi après avoir gagné le SL1 New York 24 heures avant, les gars. 24 heures avant, on gagnait le SL1 New York et là, on se fait totalement démolir par Mouse eSport. Donc, bien évidemment que j'ai le plus grand respect et la plus grande sympathie pour Mouse eSport qui a excellemment bien joué et j'adore Karrigan, j'adore le style de jeu de ce leader in-game. J'attendais mieux d'Evil Genius. Je vais pas leur en tenir rigueur étant donné quand même que, voilà, il y a quand même... On est d'un bout de la planète à un autre, il y a plus de 6 heures de décalage horaire, c'est compliqué, il y a la fatigue, l'enchaînement. J'en veux vraiment aux organisateurs, l'ESL et la DreamHack notamment, qui se mettent pas d'accord pour espacer leurs événements, pour essayer d'éviter comme ça les problèmes de fatigue, les problèmes voilà, d'enchaîner tout ça. C'est un burn-out pour les joueurs et ils performent pas, ils sont pas à leur meilleur niveau et puis après on les insulte pour leur mauvaise performance comme ça, alors que là, pour le coup, bah, j'ai pas envie de leur en tenir rigueur, mais bien évidemment que j'attendais mieux d'Evil Genius. Et même avec un peu de fatigue et tout, quand on est dans des tournois comme ça, il y a toujours l'adrénaline, la motivation, l'envie de vouloir gagner. Et je dis bien normalement, tout ça fait que la fatigue passe outre. Enfin, je pense, c'est mon avis extérieur. Bien évidemment, je subis pas les décalages horaires et tout, donc peut-être que c'est vraiment très difficile à vivre. Donc, je passe maintenant à l'autre match, et c'est Norse contre Liquid, et Liquid aussi qui était à l'ESL One New York, et eux par contre, bah, ils réussissent à lever la tête en loser bracket et à battre Norse, et Norse est éliminé de ce tournoi, donc pareil pour Norse, je sais pas trop quoi dire, eux pour le coup ils étaient pas à l'ESL One New York, ça fait des mois qu'on sait pas trop où est cette équipe, ils font des résultats moyens, puis très mauvais, puis moyens, puis très mauvais, jamais bon, hein, on va pas se mentir, mais voilà, belle performance de Liquid qui élimine Norse, qui arrive à enchaîner et j'espère surtout qu'ils vont pouvoir récupérer du temps de sommeil et tout pour montrer un meilleur niveau de jeu parce qu'on atteint un Liquid de haut niveau, surtout parce qu'ils vont attaquer des gros matchs ensuite. Voilà, Navi contre Optic les amis, et là c'est du très beau match. Voilà, j'attendais de voir Navi parce que je voulais pas avoir mon match référence en BO1 au début parce que j'avais bien aimé le setup double snipe avec Guardian et Simple. Je voulais voir vraiment Flammy sur d'autres maps, comment il allait maintenant se positionner. Pour le coup, bah, il est vraiment clairement passé fixe BP, il rotate très rarement, il prend pas de sniper non plus. Donc vraiment, cette équipe Navi me fait très grand plaisir et j'espère en tout cas qu'elle va continuer comme ça et se départager comme ça les rôles et tout parce qu'il y a Guardian vraiment sur un côté de la carte et Simple de l'autre et ça permet d'avoir bah, les deux snipers complètement à l'opposé et de mettre beaucoup, enfin de semer beaucoup de terreur autour de la carte et ce que ça fait c'est que ça ralentit les prises de zone des adversaires et moi j'adore beaucoup ce style de jeu là donc j'ai hâte de voir la suite avec Navi. Furia Ents les amis, donc là bah, Ents était largement favori, moi personnellement j'avais vraiment pronostiqué Furia, je sens Ents dans une très mauvaise passe depuis vraiment plusieurs semaines avant le Major et tout, il y avait déjà l'annonce du kick d'Alexi B pour le changement avec Sunny, changement de leader in-game, et ils y arrivent pas, voilà, ils y arrivent plus depuis quand même pas mal de temps, ils produisent quand même un bon niveau de jeu, c'est pas un désastre, mais voilà, Furia a très bien joué, j'ai pas envie de leur enlever leur victoire, pour le coup Furia montre des belles choses, ils avaient atteint un certain pic, faut pas l'oublier, au début de l'année ils étaient montés top 5 mondial, puis après c'était la dégringolade, et là ils remontrent des belles choses à ce tournoi là, je suis très content de voir le
MLSS brésilien rebriller un petit peu grâce à Furia qui est clairement devant MIBR pour le coup. Et Hens, bah, je suis un petit peu inquiet. Voilà, je suis un petit peu inquiet. Bien évidemment qu'eux aussi ont enchaîné avec le SL1 New York, donc il y a la fatigue et tout. Mais bon, eux, c'est des Européens, donc je pense pas que le décalage horaire les ont atteints autant que pour les Américains. Mais voilà, Hens est éliminé du tournoi et j'attends de voir la suite. Il y aura encore les IUM Beijing, le SL Pro League. Il y aura encore vraiment des tournois majeurs qui vont arriver dans les semaines qui vont suivre. Et on aura la possibilité d'analyser plus en détail ça, de voir s'il y a vraiment un problème en interne ou si c'était juste une accumulation de circonstances. G2 Fnatic, les amis, voilà, c'est l'élimination de nos chers G2. Fnatic, Crims a totalement terrassé, voilà, terrassé. Je crois que c'est une de ses performances de sa carrière. Sur la dernière carte, il fait du, j'ai les stats devant moi, il fait du 35 à 8, 175 d'ADR. Donc on est sur des stats complètement monstrueuses. Donc bien joué à Fnatic qui va devoir, enfin maintenant qu'ils vont potentiellement jouer devant leur public en playoff parce que c'est à Malmo, donc en Suède, pour ceux qui ne le savent pas. Un petit mot sur G2. Pareil, je leur en tiens pas rigueur, c'est une élimination vraiment honteuse pour le coup, parce qu'on prend 16-4, 16-5, on met pas plus de 9 rounds sur 2 cartes, alors qu'on joue Inferno et Train, et ça c'est quand même pas joli, mais voilà, il y a le changement de leader in-game, il y a l'intégration des deux joueurs serbes, Jax qui parle très dégueulassement l'anglais, Kenyesh qui a un accent coussi-coussa, donc je pense que pour la compréhension, excusez-moi, ça doit pas être le top du top avec cette équipe et qu'on va avoir besoin d'adaptation, en tout cas pour bien installer au moins la communication, les call-outs, etc. Ils ont expliqué en interview que dès qu'ils étaient arrivés à Malmö, bah, ils allaient définir juste les postes et comment appeler les positionnements. Donc imaginez un petit peu la foire que ça devait être. Donc j'ai pas envie de dire ouais, G2, on va pas les insulter et tout. Il y a l'enchaînement de l'SL1 New York, certainement la fatigue aussi, puis l'intégration des nouveaux joueurs. On va leur laisser un petit peu de temps avant de les descendre. Et bien évidemment qu'on espère que les Français vont briller. Greyhound contre NiP, et là pour le coup pas de surprise, NiP les a dominés sur Overpass, et il y a eu un 16-14 en revanche sur la première carte qui est le pic de Greyhound. C'est une des seules cartes qu'ils arrivent bien à jouer, et Greyhound, j'attends rien de cette équipe, très honnêtement, un peu triste de voir que des équipes avec autant de semaines de préparation montrent un niveau de jeu aussi faible. Voilà, c'est vraiment le mot de la fin pour le coup. Et les matchs de demain désormais, ça sera Liquid contre Greyhound, justement, Mousy Sport contre Optic, No Vitality contre Astralis, Furia contre Fnatic et Navi contre NiP. Donc il va y avoir des beaux matchs demain et après-demain. Et on espère bien évidemment voir Vitality briller au plus haut. Et bien évidemment, ne vous inquiétez pas, Astralis contre Vitality n'est pas un match décisif. Vitality est déjà qualifié pour les playoffs. C'est juste pour décider le seed. Si Vitality gagne, ils vont directement en demi-finale. Et s'ils perdent, ils vont devoir jouer le quart de finale. Voilà, donc on espère voir Vitality au plus haut. Et G2 également. Ciao les potes!